Toute la problématique du monitoring électoral vient évidemment de ce que un certain nombre d'organisations non gouvernementales spécialisées liées à l'OTAN, à l'Union européenne ou aux États-Unis ne viennent pas faire une mission scientifique ou objective, mais sont là, pourrait-on dire, en mission. Ils sont là pour imposer leur vision de la démocratie, c'est-à-dire le parlementarisme de type Union européenne ou États-Unis. Ils viennent aussi dans un but de déstabilisation des régimes. À l'occasion de ces élections russes du 4 décembre, nous sommes particulièrement choqués au niveau d'EO, l'Eurasian Observatory for Democracy and Election, et au niveau de nos partenaires polonais ou russes, par le fait que, déjà ce vendredi par exemple, un chef de délégation proche du Conseil de l'Europe n'hésitait pas à annoncer ce qu'il appelle des fraudes gigantesques et même à préciser que celle-ci serait à hauteur de 15%. On n'est plus là dans du monitoring scientifique, on est là dans une logique de croisade idéologique et on est là aussi dans une façon de travailler qui sort tout à fait de méthode scientifique, qui ne correspond plus à aucune méthodologie. Qui peut dire 48 heures avant une élection qu'il va y avoir des fraudes, estimer celle-ci? On est là dans le domaine de la voyance, mais pour moi le monitoring c'est une opération scientifique avec des critères objectifs.